Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est le grand jour. Donc je viens de recevoir tout juste les AirPods. Donc ces écouteurs sans fil de chez Apple. La nouveauté, la grande nouveauté pour Noël. Donc ils viennent tout juste d'arriver, c'est tout chaud. Donc on va tout de suite les découvrir ensemble. C'est parti, donc on a le carton, on va faire le déballage ensemble. On va tout de suite ouvrir le carton. Et voici donc la boîte des AirPods. C'est vraiment tout juste reçu. On va donc tout de suite ouvrir proprement avec le petit couteau qui va bien et découvrir la petite boîte des AirPods. Ici, voilà, regardez. On a donc sur le côté la petite pomme d'Apple comme d'habitude. On a derrière marqué donc AirPods et pomme. Donc on va ouvrir cette petite boîte où à l'intérieur se trouvent les AirPods de chez Apple, les écouteurs sans fil et voir ensemble en Alors, exclusivité. On va toujours continuer avec notre petit couteau et vérifier donc l'ouverture de cette boîte. Voilà. Voilà donc pour vous dire ce que je ressens, c'est que j'espère que vous allez le voir. Ici, sur la boîte, on a les AirPods en relief. On peut les sentir avec les doigts. On va ouvrir. Et donc, qu'est-ce qu'on rencontre directement à l'ouverture? On a tout de suite, comme d'habitude, Apple nous a mis normalement la notice des fameux AirPods. Donc ici, avec différents livrets. Voilà. Ici, on tombe tout de suite sur la petite boîte des écouteurs. Ici, je vous la montre, comme elle est toute petite. Regardez-moi voir ici. Cette petite boîte contient les AirPods. Voilà, donc elle est toute petite, toute légère. Regardez dans la main comment elle tient. Donc surtout à ne pas perdre, puisque si vous perdez une des oreillettes, ça vous coûtera 69 euros. Donc voilà. Et si on continue à l'intérieur de la boîte, on va avoir juste dessous le câble Lightning pour pouvoir donc charger les écouteurs, les AirPods. Donc on branchera ceci donc à la petite boîte pour recharger nos AirPods. Voilà donc ce que contient la boîte. On va maintenant découvrir les AirPods. On va tout de suite ouvrir. On est vraiment en direct sur l'ouverture de la boîte ensemble. On la sort de son petit étui. Et voici la petite boîte. Comment elle est. Juste dessous la boîte, on a donc la connectique Lightning. Ici dessous, je vous montre en très gros. On a donc la connectique sous la boîte. Je vous la montre en blanc. Alors la boîte est blanche. Très très blanche. Et on va donc allumer notre iPhone et voir ensemble si, comme dit, les écouteurs vont instantanément, les AirPods vont instantanément être repérés par mon iPhone. Le petit boîtier s'ouvre comme un clapet par devant et on lève. Alors, comme vous pouvez entendre, le petit clapet est aimanté. Ici, je vais lever le clapet et on va voir ce qui va se passer sur l'iPhone instantanément. Ici, je lève.
Alors voilà ce qui se passe sur l'iPhone. Ici, on a donc notre iPhone qui, une fois le clapet ouvert, Fermé. Bouton. Connexion. Bouton. tout de suite une fenêtre qui s'ouvre dans le bas comme le tiroir des préférences de notre iPhone. Et dès qu'on referme le clapet, 2799 vous email. voyez, le tiroir se referme. Donc je vous montre en très gros. Airpo. Fermé. Bout connexion. Bouton. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Connexion. Airpo. En tête. Et on va suivre les différentes étapes. OK. Bout Airpo de Christophe. En tête. OK. Bout. Donc deux fenêtres. Et on va valider de nouveau. Airpo de Christophe. OK. Bouton. OK. Donc voilà comment les AirPods se trouvent ici dans la boîte. On va tout de suite les sortir. Voici pour 1. Alors je vous montre au niveau des différents trous. Donc ces deux petits trous où est-ce que les AirPods vont se mettre. Et voici donc dans la main les deux petits AirPods. Alors, je vous les montre de très près pour que vous puissiez bien les apercevoir ici. Alors, je vais en placer un à l'oreille pour voir ce que ça donne au niveau de la tenue et vous faire une petite vidéo justement aussi au niveau de l'oreille. Juste quand je viens de placer l'AirPods dans mon oreille gauche, j'ai entendu un petit bruit comme de violon qui me disait que j'ai bien positionné le premier AirPod. Ici, je vais placer le second. Alors là, j'ai les AirPods au niveau des oreilles. Alors par exemple, si je vais faire un double tap d'un doigt sur un des AirPods, et comme vous voyez, sans rien toucher à mon iPhone, ni dire la phrase clé comme vous la connaissez, 1799 email non lu. voilà, j'ai enlevé les deux Action AirPods disponible. et comme vous voyez, automatiquement, le son est revenu au niveau de l'iPhone. Voilà donc ici, comme vous pouvez voir, au niveau du maintien des appareils, on peut même sauter. Regardez, ils tiennent vraiment parfaitement bien ici. Voilà, donc c'était simplement pour vous montrer un peu la tenue des appareils. Donc pour ma part, je trouve qu'ils tiennent vraiment bien au niveau des oreilles et le son est très 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 bon, je trouve, aussi bien pour la musique que pour la reconnaissance de voice-over, l'accessibilité via le double tap pour répondre et pour lancer voice-over est vraiment ici avec un doigt, on tapote deux fois ici, voice-over se lance et on peut décrocher avec un double tap ici. Donc c'est vrai que le maintien, on peut voir, c'est vraiment très idéal par rapport à ces AirPods. Alors ici, vous allez voir simplement en faisant un double tap d'un doigt sur l'AirPod, ça va déclencher mon Siri malgré que mon iPhone est fermé, malgré que je ne dirai pas la phrase clé, et je vais pouvoir lancer par exemple la musique. Écoutez la musique. Alors, comme vous voyez ici, je viens d'enlever un AirPods et donc la musique instantanément s'est arrêtée. Écoutez la musique. Alors, comme vous avez pu voir, lorsqu'on écoute la musique et qu'on enlève un AirPods, la musique se ferme instantanément et on revient sur l'écran d'accueil de l'iPhone. Écoutez la musique.
Alors, par exemple, maintenant, si j'enlève les deux écouteurs, Position de la piste, 43,3 secondes. voilà Son, ce qui se 4 passe. minutes, 24 secondes. Lorsque j'enlève les deux AirPods, vous avez pu voir, tout s'arrête et on revient instantanément avec l'iPhone. Voilà donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le déballage des AirPods, les écouteurs nouvelle génération d'Apple vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo, à me mettre des commentaires si besoin et à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre toutes les vidéos sur les tutos et démos que j'ai faites dernièrement. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine. Salut!